On va y aller. Allez, je lance, c'est parti. Tac. Alors, on peut voir au début qu'on peut choisir trois classes différentes. Je voulais te voir ce qui a marqué. Donc, on a les titans. Vous êtes une machine de guerre blindée. Prenez le contrôle du champ de bataille grâce à votre force et à votre sens stratégique. Et on voit qu'il y a des pouvoirs spécifiques à chaque classe. Deux. Donc, il y a assaillant et défenseur. En fait, ce sont des coups spéciaux, si vous préférez. Le premier, on l'a pratiquement dès le début. Et le deuxième, on l'a au niveau 15, comme vous pouvez le voir ici. À côté, on a le. C'est bon, ça fonctionne. Ok, ça m'a l'air bon, ça fonctionne. Alors, à côté, on a le chasseur. Vous connaissez la frontière comme votre poche. Traquez et tuez vos ennemis avec une précision sans égale. Et donc, on a son premier pouvoir qui est le pistolero et le deuxième qui est épéiste au niveau 15. Pareil. Et là, on a l'arcaniste. L'univers se plie à votre volonté. Manipulez ses énergies pour annihiler vos ennemis. Pardon. Le premier pouvoir, c'est voie abyssale. Et le deuxième, champ solaire au niveau 15. Mais entre-temps, rassurez-vous, il y a des pouvoirs évidemment. On aura même des choix à faire, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir dans l'alpha. Donc, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va essayer un arcaniste pour voir. Allez, c'est parti. Donc là, on a dans la création de personnages. Donc voilà, on peut voir qu'il y a trois races différentes, les humains, les éveillés, les exos, en version homme-femme. Là, on a les humains, hop, on a une tête, hop. Les femmes, là, on a les éveillés. Ils sont super stylés, hein, soit dit en passant. Moi, j'aime beaucoup. Et on a les exos, je crois que j'aime encore plus, qui sont des sortes de personnes mécaniques. On a la version homme-femme à chaque fois. On va prendre un éveillé, femme. Voilà, à partir de là, on peut changer le visage. On peut évidemment changer aussi, il me semble, la coupe de cheveux, si je me souviens bien. C'est juste le visage. Voilà, la coupe de cheveux ici, tac, on va prendre quelque chose d'un peu plus guerrier, si je puis dire. Je vous montre un petit peu, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Tiens, il y a Rihanna. Donc voilà. On a évidemment différentes couleurs. Je crois qu'on va partir là-dessus. C'est pas mal. C'est ça. Alors pour le visage, du coup, on y voit un peu plus clair là. Bon, moi j'aime bien que ce soit joli. Elle est pas mal celle-là. Je crois que je vais rester sur la première. Ouais, elle me plaît bien. Couleur de peau, donc quelque chose d'assez clair. Enfin, peut-être comme ça, hein. C'est pas mal comme ça. Couleur des lèvres, voilà, on est bien. Et la couleur des yeux, tiens, si on essaye ça pour voir. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, on peut changer aussi la couleur de cheveux, mais je vais la garder pour l'instant. Et on a des signes distinctifs qui sont en rapport avec les races, me semble-t-il. Donc là, les espèces de tatouages sur le visage qu'on peut changer, vous pouvez voir, tac. Pas fabuleux de ce côté-là, mais ça c'est pas trop mal, c'est assez discret. On pourrait peut-être les mettre de la même couleur que les yeux comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc on a créé notre arcaniste. Et donc je vous laisse l'intro. Ça fait très film, hein. Donc pour ceux qui se poseraient la question, la bêta est évidemment en français. Ce qui est plutôt cool.
Donc là, on a une petite métaphore de l'avancée humaine, la conquête de l'espace. Vous allez voir que le chemin est parsemé d'embûches. Comme ça va nous être expliqué maintenant. Le voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions trois fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Rien, hein. Je vous mets dans l'ambiance. On est sur une terre dévastée, évidemment, comme ça vient de vous être expliqué. On va voir donc qu'il y a une race extraterrestre. Il y a un spectre, c'est cette espèce de petit objet volant non identifié là, qui vient de trouver quelque chose. Donc ça, a priori, ce sera l'intro pour tous les types de personnages que vous allez créer. Gardienne. Attention, gardienne. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Je suis un spectre. En fait, je suis votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue mort. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à l'arrivée. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. Nous sommes en territoire déchu. Voilà, vous pouvez me poser vos questions directement sur Twitter aussi à hashtag GameBlockDestiny ou alors directement ici via Twitch si vous avez un compte Twitch.
Donc voilà, le spectre vient de me ressusciter. Et apparemment, je suis un gardien. On doit vous trouver une arme avant que les déchus ne nous tombent dessus. Silence. Ils sont juste au-dessus de nous. Il y avait pas mal de séquences comme ça dans le jeu où on passe de l'extérieur à l'intérieur. Avec des lumières et on a un petit côté flippant, un petit peu à la Alien parfois. C'est plutôt sympa. Il joue sur les ambiances. J'espère que vous savez vous en servir. On va faire ce qu'il nous dit, le spectre. Vous pouvez voir que c'est quand même plutôt joli. Les yeux vers l'avant. Surveillez votre radar. Comme je vous disais, il joue beaucoup sur les ombres, les intérieurs, les extérieurs. Et quand on est à l'intérieur, il joue un peu le côté creep. Bon, je vous cache pas que je connais un petit peu le jeu. Donc on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Alors évidemment, des ennemis tombent des loots qu'il faut ramasser à la volée. Et sur les quêtes que vous pouvez effectuer dans ce FPS en monde ouvert, on récupère évidemment des objets, des armures, des armes pour pouvoir customiser son personnage. Aussi qu'évidemment on fait des coups critiques avec ses continuez comme ça. Avec ses tirs, et évidemment si on tire dans la tête c'est quasiment à 100% un coup critique. Voyons ce qu'il y a dedans. On peut voir aussi qu'il y a des petits coffres qui sont répartis un petit peu partout dans les décors. Et donc là je viens de récupérer une deuxième arme, et donc en appuyant sur triangle je passe à mon arme secondaire. Ce qui est cool, c'est qu'a priori quelle que soit votre classe, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel type d'arme. Ah, ça a des conséquences sur le gameplay, on imagine. Ne les touchez surtout pas. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit je peux tirer dessus, soit je peux passer en dessous. Moi, je vais passer en dessous. Voilà. C'était pas mal comme idée. Ah bah non, ah bah y'en a pas juste derrière. Dommage, j'aimais bien l'idée de pouvoir glisser, puisque vous pouvez voir, il y a une glissade. Bah, par rapport à l'alpha, le gameplay est quasiment identique pour l'instant. Peu de choses près. En tout cas, sur l'arcaniste, puisque là on est sur la classe arcaniste. Graphiquement, on est aussi très proche. J'avais vu un tout petit peu d'aliasing sur l'alpha, mais là, j'en vois quasiment pas. Un petit peu encore, c'est léger. C'est léger. Non, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Là, je vais juste commencer. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, que l'histoire est nettement plus développée. On est invité à faire différentes choses qui n'étaient pas le cas dans l'alpha. Là, ici dans la bêta, on est invité à, par exemple, à aller faire du PVP, à aller tenter tel ou tel type de mission qui ne sont pas forcément des missions scénaristiques. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est des choses qu'il n'y avait pas dans l'alpha, ça nous met un peu plus dans l'ambiance. C'est la preuve que je dois me mordre, du coup. Encore, il y avait une petite baston ici.
voir que les ennemis sont super mobiles, ils n'hésitent pas à se cacher aussi, c'est pas mal. Ah, j'ai utilisé ma grenade mais j'ai pas encore la compétence. Enfin, j'ai appuyé sur le bouton pour utiliser la grenade mais j'ai pas encore la compétence. Au niveau de la visée, c'est l'air assez tolérant quand même. Il y a beaucoup plus de déchus que je ne le pensais ici. Nous devons continuer d'avancer. J'espère qu'il reste quelque chose là-bas. Comme je vous le disais, ces petits jeux d'ombre et de lumière, là, moi j'aime bien. Faut reconnaître que c'est super classe comme ambiance. C'était à Cosmodrome. Des vaisseaux partaient d'ici pour l'espace. On devrait pouvoir y trouver un moyen de filer d'ici. Oh non, quelque chose se téléporte. Ah ok, d'accord. Et là je vais changer le chat alors, c'est pour ça que ça va pas sur le chat. Les vaisseaux déchus, s'ils prennent la surface, pas prévenu. Alors, nous devons à tout prix passer. Laissez-moi deux petites secondes. On va se planquer là-bas. C'est bien qu'il y avait un souci sur le chat. Alors, tac 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 tac. Ne dites pas ça. Comment est-ce que je peux changer ça? Hey. Donc. Bougez pas. J'en ai pour deux secondes. Je vais demander de l'aide à mes collègues. Hop, alors, tac. Je me fais aider parce que je suis tout seul. Donc moi je vais continuer à jouer. Et j'ai un collègue qui va changer ça. Il y a un souci avec le chat, c'est ce qu'on nous dit. Mes collègues vont essayer de régler ça. Donc moi je vais continuer. Tac. Pas très bien, ils sont pas bons pour moi. Oh là, plus sérieux. Alors donc dans ce genre de cas, vous pouvez voir quand vous êtes submergé comme ça, vous pouvez utiliser, enfin vous pouvez vous battre en retraite comme on dit. C'est pas très glorieux, mais du coup ça vous permet de remonter votre bouclier. Qui rappelle évidemment le bouclier qu'on avait dans les Halo. Hein. Voilà, niveau 2. Je détecte les traces d'un vieux vaisseau. Voilà notre porte de sortie. Alors du coup on a débloqué une amélioration, on va aller dans les menus, que vous pouvez voir qu'ils sont super classe aussi, on utilise des touches L1 et R1 pour se balader dans les menus. Ici donc on voit son personnage avec toutes ses armes, effectivement pour en avoir plusieurs qu'on va changer à la volée. Pareil pour les pièces d'équipement. Et pour l'instant la seule stat qu'on voit c'est la défense ou l'attaque, c'est tout, mais il y en a d'autres, ça va de soi. Et ici donc là comme j'ai atteint le niveau 2, j'ai un nouveau pouvoir qui est débloqué. On peut voir ici qu'il y a la grenade Vortex, c'est la grenade dont je vous parlais tout à l'heure que je ne pouvais pas utiliser. Maintenant je peux, et donc en appuyant là-dessus, je l'associe à la touche L1. Et en fait je vais pouvoir par exemple avoir d'autres types de grenades. Là par exemple en dessous on a la grenade à dispersion, il va falloir un certain temps pour la débloquer. Et ici on va avoir la décharge d'action. Et en fait je pourrais choisir, pour associer un de ces pouvoirs sur la touche L1, mais pas les trois à la fois. Donc ce sera pareil dans chaque colonne comme ça.
Donc c'est là qu'on a un espèce de choix de template, donc de choix de style de jeu en fait, en fonction des pouvoirs, qu'on va pouvoir modifier comme ça un petit peu à la volée, même s'il faut passer par les menus. Alors pour l'instant on n'a pas beaucoup de choix évidemment, puisqu'on vient de commencer, mais au moins on a la grenade, ce qui est plutôt chouette. Et on va continuer. Voilà, ça fait quoi? Ah oui, ça fait une espèce de... C'est bien que ça les bloque. Une espèce de trou noir, on dirait, un truc dans ce coup-là. Donc on peut voir en bas à gauche qu'elle se recharge, en fait. Au fur et à mesure. Un vaisseau. Ah, on arrive à la conclusion du premier chapitre. Donc je peux changer l'arme si je veux pour aller au corps à corps. C'est pas problème, c'est juste pour vous montrer. Alors, il est intéressant de noter qu'évidemment, si j'utilise cette arme-là, donc le fusil à pompe, en fait, je vais utiliser au corps à corps, je vais faire 20 ou 30 de dégâts sur les gars. Évidemment, si j'utilise de loin, les dégâts sont diminués, ce qui est assez logique. Je trouve ça plutôt intéressant de le noter. Ça souligne qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi donc avec les armes, même si on a le choix de pouvoir utiliser l'arme qu'on veut, quelle que soit sa classe. Alors là, celui-là il a un bouclier. Alors, une fois qu'il est pété, faut pas le louper. Ouais, je vais un poil à bord. Le bouclier est fou là. Oh, oui, donc le tiers j'en profite. Voilà, on peut voir que là les chiffres sont pas les mêmes. Il doit rester quelques drones et ce sera fini. Ah. Voilà. Ça s'est déroulé sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas du chat apparemment. Problème qui n'est toujours pas réglé, mais ça devrait l'être. En attendant, là il va y avoir une petite cinématique. Je vais essayer d'aller voir vos petites questions. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas servi depuis des siècles, au moins. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démantelé. Il peut voler? Espérons-le. Voyons voir. Alors vous pouvez voir, donc il y a un petit récap à chaque fois qu'il y a des missions scénarisées comme ça. On vient de le voir là. Donc là on peut voir par exemple que j'ai débloqué la grenade à vortex, que j'en suis à temps, enfin c'est des petits cercles en fait qu'il faut remplir en accomplissant des différentes actions en fait dans les missions. Donc là on peut voir que sauter me permettra, je pourrais sauter deux fois dans le même saut. C'est un des pouvoirs particuliers de l'arcaniste. Donc là, c'est la surface verte que j'ai débloquée. Il va falloir que je débloque tout le reste du rond noir que vous pouvez voir là. Après, effectivement, pareil pour la grenade ici. Pour la grenade suivante, puisque j'ai utilisé ma grenade dans cette partie. Voilà. On peut aussi ajouter les contrats que vous pouvez voir en bas, qui sont en fait des contrats qu'on va récupérer un peu plus tard dans une espèce de hub, donc un endroit particulier où tous les joueurs vont se retrouver, enfin une partie des joueurs vont se retrouver. Et il y aura plein de PNJ, etc., avec lesquels on pourra interagir et récupérer des quêtes un petit peu particulières. Et donc là on a le rapport, voilà, je fais 54 frags, j'en ai fait 8 précis, donc je pense que j'ai touché 8 ennemis à la tête. Frags de capacité, donc ça va être en rapport avec mon pouvoir, donc je pense que c'est au corps à corps, voilà. Et donc là je maintiens la touche triangle et on est parti. Et bien il y a encore un petit peu de scénar là, donc je vous laisse déguster ça, hein. Ça fait partie de la bêta. Alors il y a Diego El Toro qui me demande comment ça se passe les intrusions multi.
dans le mode histoire, est-ce que c'est obligatoire? Alors, c'est une bonne question. En fait, tu as des missions que tu peux faire en multi ou en solo. Et c'est un choix, en fait, à la base. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver... tu vas créer une team, en fait. Tu vas choisir d'aller avec elle faire différentes missions, que ce soit des missions annexes ou des missions de l'histoire. Donc, pour résumer, c'est ça. Je vous laisse découvrir ça. C'est un des trucs nouveaux qu'il n'y avait pas sur la fin. Bienvenue dans la dernière cité sur Terre. Le seul endroit que nos voyageurs protègent encore. Il aura fallu des siècles pour la construire. À présent, c'est à peine si elle tient encore. Et c'est dans cette tour que vivent les gardiens. Voilà, vous avez un petit peu les bases du scénario. Ici... Alors il faut reconnaître que sur l'Alpha, les temps de chargement étaient un peu longs entre chaque étape. On passait du vaisseau à une planète, ou du vaisseau à la cité, et ça avait tendance à être un peu long. Là, ça m'avait semblé plus court tout à l'heure. Là, néanmoins, je pense que vu que tout le monde est en train d'essayer de se connecter, ça doit être un peu plus lent. Un petit peu. Dommage, du coup. Ah bah voilà, ça y est. Vous pouvez parler, ça y est. Ah bah ça va être beaucoup plus simple pour moi, là. Cool, je suis assez content qu'on ait réussi à débloquer le chat, je suis assez heureux de ça. Je ne vous le cache pas, ça fait 15 minutes que je vous le tweet. Oui, on a vu Rezek, je suis désolé, on essaie de faire le max, mais là je suis tout seul chez moi vu l'heure, donc c'est compliqué, il y a Julien derrière qui est en train d'essayer de débloquer ça. Donc voilà, salut à tous, désolé pour ces petits problèmes. Bref, on est reparti. Donc essayez de poser vos questions tranquillement, parce que vous êtes quand même assez nombreux, donc vous emballez pas non plus, parce que je peux pas tout voir en même temps. Je vais faire le maximum, évidemment. Vous êtes quand même presque près de 350, là, 370. Donc voilà, on peut voir qu'il y a déjà des gens. Tout ça, c'est des joueurs, hein, que vous pouvez voir ici. Salut Axel Powercold, salut Fredorhead, salut Steph007. Salut Okidoki, qui veut un code, donc, et non, désolé Okidoki, je n'ai pas de code. Et donc voilà, on peut voir les joueurs là. Donc on a des petites émotes, en fait ça fonctionne avec la croix directionnelle. Alors je sais pas si on peut les configurer, mais voilà, en utilisant différents boutons de la croix directionnelle, bas, haut, gauche, droite, on va pouvoir... Salut Vanda. Je t'en prie Diego El Toro, je suis là pour répondre aux questions, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut faire différentes émotes. Je sais pas si on peut les configurer, j'ai rien vu de tel dans le menu. Mais voilà. Salut Evolved SKO, je t'en prie, il n'y a pas de souci. C'est quoi ce délire de faire des persos féminins sur les jeux? Bah écoute, avant... je sais pas, non, moi j'adore les persos féminins. J'ai mis thèse, je kiffe. Donc voilà. Alors, on peut voir que donc on retrouve le système. Donc là, on est dans la ville, la cité, hein, je le répète. Qui est en fait la dernière ville sur Terre. En gros, c'est là où se retrouvent tous les gardiens qui sont censés affronter les ténèbres, vous l'aurez compris. Qui sont incarnés par différentes races extraterrestres, on va dire, pour faire simple. Là, il y a le voyageur en haut, là, qui est devant la cité, qui la protège. Voyageur, vous l'avez compris, qui n'est pas très en forme en fait, mais c'est ça qui a permis l'avancement technologique de la race humaine. On peut voir qu'il y a d'autres races évidemment. Et puis donc bon, on va pas se mentir, on est sur un FPS qui a quand même des méchants faux airs de MMO. Salut Ludocal, bon je vous dis bonjour à tous une fois parce qu'après sinon on va pas s'en sortir. Donc merci à tous d'être là en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais faire mon maximum pour répondre à tout le monde. Big Proof qui dit, faut-il avoir acheté Destiny pour avoir accès à la bêta? Je crois qu'il faut l'avoir précommandé, effectivement, je crois. Alors on reconnaît, donc je vous le disais, ça a des faux airs de MMO, donc évidemment, on a des grosses icônes pour se repérer par rapport à tous les personnages, les PNJ avec lesquels on peut interagir. Et là, évidemment, très logiquement, il y a des faux airs de WoW dans ce côté gros, grosses icônes en haut, hein, c'est WoW qui a...
qui a commencé à utiliser, enfin, qui a pas inventé ça, mais qui a exploité ce système dans son MMO, World of Warcraft. Donc là, on a un peu la même chose. Là, on peut voir qu'on a des espèces de maîtres en fonction des classes. Donc là, c'est mon maître arcaniste, et il va me fournir un équipement pour arcaniste, puisqu'en fait, il y a des équipements spécifiques à chaque classe. Donc là, lui, il m'a donné ça, ça s'appelle un pyrocode, qui est donc un torse. Et là, on peut voir qu'il y a différents types d'objets que je pourrais acheter à terme. Il y a des prérequis aussi pour les avoir. Il faut avoir le niveau 4 par exemple, il faut avoir assez de lumen qui représente l'argent. Et on en a d'autres niveau 20, il faut avoir un avant-garde rang, etc. Bref, ça a l'air assez élaboré de ce côté-là pour récupérer tout ce qu'on veut. Il va falloir bosser, j'ai l'impression. Tous les personnages en bleu que vous voyez, ils ont un numéro à côté d'eux, 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. C'est des joueurs. Ce sont forcément des joueurs, tous les autres ne sont pas des joueurs. Donc ce qui est cool, c'est que dans la cité, on peut voir qu'il y a tous les joueurs du coin. Alors à mon avis, ils peuvent pas afficher tous les joueurs, c'est juste impossible. Donc à mon avis, ça doit être sur des instances séparées, en fait. Voilà. Mais bon, on doit pouvoir se retrouver quand même assez facilement. Donc voilà, équipez votre nouvelle armure. Donc je fais ce qu'il me dit, voilà. Donc on est sur PS4, donc j'utilise... Je vous le dirai après, ça, c'est pas la peine. Voilà, hop, nouvelle armure, bing. On peut comparer ici mon ancienne armure et ma nouvelle armure. Voilà, mon ancienne elle est là, elle est à 18 de défense. Ici on a la nouvelle à 22, je peux appuyer sur R2 pour comparer. Je vois que là j'augmente en défense, donc je la mets. Et c'est parti. Voilà, et donc ça change mon aspect, cela va de soi. Voilà. Vous allez voir par la suite aussi qu'on apprend des choses. Enfin, en fait, les objets, plus on les utilise, plus ils nous permettent de débloquer certaines aptitudes. On pourra garder son perso de la bêta dans la version finale, j'en doute. Là, il me permet de choisir une arme, on peut voir un fusil automatique, un fusil à impulsion, un fusil d'éclaireur, ou un revolver. Moi, personnellement, j'aime le fusil automatique, donc je vais rester là-dessus. Là, on peut voir que je pourrais aussi en acheter, et que ça me coûtera un certain nombre de lumens. Donc là, si je vais en acheter, par exemple, voilà, ça va me coûter 150 lumens, j'en ai 514. Je crois que c'est ça, oui c'est ça. Et donc du coup, on peut voir la cadence de tir, l'impact, la portée, la stabilité, le rechargement, etc. Le nombre de tirs avec le chargeur, et voilà. Vous avez à peu près tout. Salut Fox 44410, merci d'être là. Donc je peux équiper ma nouvelle arme, je vais donc le faire. Tac. Hop. Voilà, qui évidemment est meilleur. Hein. Il y a le système de comparatif ici, on voit très clairement, c'est très clair, très visuel. On peut voir que mon arme est meilleure, donc je viens de l'équiper. Et voilà, ça en a changé l'aspect. Alors, responsable de la flotte, donc là maintenant je vais à un autre endroit. Vous pouvez voir que tout est balisé, indiqué, c'est pas très compliqué de trouver son chemin, de manière générale, jusqu'ici. Sachez que je peux faire des petites pointes d'accélération en appuyant sur la touche L3, et que je n'ai qu'un saut normal ici. Alors, vous pouvez voir aussi qu'on a la troisième personne ici, puisqu'on est dans la cité, et non pas en vue FPS. Donc apparemment dans la cité c'est tout le temps à la troisième personne. Donc là, on a la personne, donc c'est une femme qui s'occupe des vaisseaux, donc là elle me donne un vaisseau pour que je puisse me balader. Et à terme, j'aurai aussi un land speeder qui va me permettre de me déplacer plus rapidement sur les planètes que je vais visiter. Et puisqu'il y a bien plusieurs planètes pour ceux qui se posaient la question, déjà on est sûr de deux, bon c'est pas deux planètes, hein. Voilà, on a la Terre et la Lune, évidemment la Lune n'est pas une planète, mais on sait qu'on va aller sur la Lune, puisqu'on sait que la ruche, qui est un des ennemis de ce qui reste de l'humanité, vient de la Lune. Donc je peux vous dire qu'on va y aller, probablement dans cette bêta, je pense. Ton avis sur les graphismes, plutôt bon, non? Ouais, je trouve ça plutôt beau, ouais. Mais c'est surtout l'ambiance qui fait tout, en fait. Il y a une patte graphique, c'est Ludocal qui pose cette question. Les graphismes sont bons, évidemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, on peut le voir ici, hein, je peux vous montrer un petit point que j'avais bien aimé, mais là, c'est dommage, on est un peu de nuit entre chien et loup, donc c'est pas super. Mais je trouve ça effectivement très réussi, hein. Faut rappeler quand même que c'est un jeu qui est complètement en ligne. Donc voilà, bon là évidemment c'est une image statique, mais on peut voir que c'est quand même très joli, il y a des zooms, des mises au point, etc. Mais c'est surtout la direction artistique qui fait la différence, en fait. Ils ont un univers particulier, ils ont une direction artistique particulière, pour un résultat que je trouve vraiment, vraiment très chouette. On dirait du Mass Effect. Non, moi je suis d'accord, Il Niño 1608, effectivement, il y a un mélange avec Mass Effect. On voit qu'il y a plein d'inspiration pour ce jeu. Donc voilà. Donc là j'ai utilisé le spectre, qui est donc la petite chose qui est venue me réanimer au tout début de la séquence, si vous avez suivi le live depuis le début. Et en fait ça devient mon espèce d'interface, en fait. Ça va me permettre de rallier certaines choses, comme par exemple aller dans mon vaisseau, que je viens d'acquérir comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, pendant mon escouade. Et à ce moment-là, on verra tous les vaisseaux des gens derrière moi. Et c'est le chef d'escouade qui va décider ce que l'on fait.
Donc voilà, pour l'instant je vais continuer un peu tout seul. Et donc là on peut voir bah, par exemple que je peux aller ici, donc sur la terre. Ici c'est là où il y a la tour. Ici c'est tout ce qui est PVP. Mais ici vous allez voir que bientôt juste là il y aura la lune. Et ici on peut voir qu'il y a d'autres cercles, donc d'autres planètes à explorer. Je vous laisse donc imaginer ce que ça promet en termes de taille. Voilà, allez, on va sur la Terre, c'est parti. Donc là on a la première mission, alors c'est intéressant de regarder ça vite fait, remise en état, donc on est dans l'ancienne Russie. C'est une mission qui est en rapport avec l'histoire de niveau 2. Il faut que je retourne dans le territoire, là bref, il me faut une escouade de 1 à 3 joueurs, donc je peux le faire de 1 à 3 joueurs, c'est une mission en coopération, et si j'ai réussi, ben, je gagne de l'expérience, voilà. Vous le savez, donc voilà, notez par ici que je peux noter que je peux choisir le niveau de difficulté. Je peux le faire en niveau 2 normal ou en niveau 5 difficile. Il y avait le niveau légendaire dans l'alpha, ici ça a l'air assez différent. Donc voilà, j'ai vu que les niveaux de difficulté s'adaptaient aussi, donc je peux pas encore être sûr de ça à 100%, mais en tout cas ça a l'air un petit peu différent par rapport à l'alpha. Allez, c'est parti, on lance. Et voilà. Et donc là, il y a un petit temps de chargement. Salut Giggle01. Salut Tony57. Peut-on comparer Destiny à Mass Effect Online sur certains points? Alors écoute, non, parce que c'est un FPS, donc non, Evolve SKO, j'irai pas jusqu'à dire ça. Par contre, il y a vraiment des touches Mass Effect, ne serait-ce que dans le design. Je vous laisse écouter ça. C'est la petite introduction qu'il y a sur la cité sans ça. Mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre. Et pour en trouver une, je ne vois que le cosmodrome. Nous avons survécu une fois au déchu. Nous leur survivrons encore. Alors c'est une bonne question, il y a Sombre Bras Verdad qui demande si on peut faire l'histoire en solo sans connexion internet. Et non. A été abattu par ici. En tout cas pour moi non. Nous pourrions en récupérer des pièces. Donc non. Si les déchus ne l'ont pas déjà fait. Les différences avec l'alpha, bah, je suis en train de les expliquer au fur et à mesure Medievor. Donc ça va venir au fur et à mesure. Donc on peut voir, c'est ce que je voulais expliquer, le spectre qui me permet bah, tout simplement de retrouver mon chemin en fait. Chaque fois que je... Donc là j'utilise le pavé tactile de la PS4, hein, j'appuie là-dessus, ça fait apparaître le spectre. Ça me donne accès à différentes options qu'on peut vous expliquer au fur et à mesure. Mais là en tout cas ça fait apparaître une icône au fond, vous pouvez voir là-bas, qui m'indique où est-ce que je dois aller. Oui, alors au Mescao, c'est pas qu'il y a une aide à la visée, c'est qu'il y a une espèce de tolérance en fait, semble-t-il, à la visée. C'est-à-dire que c'est assez... ça touche assez largement, tu vas voir, je vais te montrer là par exemple. Voilà, là il considère que j'ai fait un tir à la tête alors qu'en fait je tire juste en dessous pareil. Bon, mon arme remonte avec le recul, mais c'est assez tolérant, j'ai plutôt envie de dire. C'est pas qu'il y a une assistance particulière, il y a une certaine tolérance. Alors là on peut voir que quelqu'un d'autre a tiré dessus. La question c'est qui, voilà, il y a un autre joueur qui est là, voilà, qui m'a filé un coup de main, comme vous pouvez le voir. Donc là je suis dans ma mission en solo, et pour autant... En fait là je suis dans une partie du monde ouvert, pour être précis, avant d'aller dans ma mission à proprement parler. Mais donc il y a un joueur qui a pu m'aider, comme vous pouvez le voir. Alors pour les gens qui me demandent comment arriver à télécharger la bêta, je vous dirais simplement suivez les instructions et lisez les instructions. Effectivement c'est pas forcément simple pour certains en fonction des types de codes que vous avez eu, mais logiquement si vous lisez bien vous allez vite comprendre de quoi il retourne. C'est pas très compliqué, je vais pas vous expliquer maintenant. Alors il y a Nash927 qui demande si on joue que contre des bots. Alors il y a beaucoup de missions en coopération avec des joueurs à côté de toi où t'affrontes effectivement des bots, mais t'as aussi du PVP contre des joueurs. Mais c'est dans les sections particulières du jeu. Ils ont réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous. Allons voir ça. Donc voilà, le spectre a trouvé une espèce de preuve, hein. je vais pas vous répéter ce qu'il a dit, mais en gros ça me permet de poursuivre la mission, je réutilise justement le spectre pour voir où est-ce que je dois aller, voilà, et là il a indiqué où est-ce que je devais aller, suite aux preuves qu'on a trouvées. Pour l'instant je suis à pied, et très bientôt je le serai plus. Merci Michel-Ange, mange des petits gâteaux, je suis un amateur de gâteaux. Alors vous pouvez voir en dessous de moi qu'il y a ma barre d'expérience, vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs à récupérer sur les ennemis là, essentiellement ce sont des munitions. La barre verte en dessous c'est mon expérience. Pourquoi je n'accède pas au site officiel? Bah, très honnêtement, Tixor Code, je ne sais pas du tout pourquoi tu n'accèdes pas au site officiel. Je ne sais que te dire. Alors, où est-ce que je dois aller? Oui, c'était bien là-bas, c'est pas ce que je me disais. J'ai préco sur PSN et... Ah bah ouais, alors vous pouvez voir qu'il y a du ripop, c'est parti
où là tous les joueurs peuvent jouer ensemble. J'ai pas vraiment encore commencé ma mission. Vous pouvez voir que c'est, voilà, ce que je disais, c'est assez tolérant. Là, il y a un autre joueur qui est là qui vient de balancer une grenade. Je ne l'ai pas vu encore, mais je sais qu'il est là. Voilà. Et là, c'est un niveau 2 aussi. Je pourrais l'embarquer avec moi dans mon escouade. On peut voir qu'il y a un niveau 3 là-bas. Mais on n'est pas lié, on n'est pas dans la même escouade. Alors, on continue. De ce que tu as pu voir, le scénario a-t-il une place importante ou pas? Oui, Mr. Heidi. Oui, oui, le scénario a l'air d'avoir une place importante. Et c'est vrai que pour un FPS orienté MMO, c'est un peu... C'est encourageant, je trouve ça bien. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc je vais essayer de répondre au fur et à mesure à tout le monde. Alors, il y a MacTier qui me demande qu'est-ce que donne le gameplay. Moi, je te dis, je trouve ça très jouable, très tolérant. Enfin, la visée, je la trouve assez tolérante pour l'instant, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé d'être super précis. C'est ça que je dirais pour l'instant. C'est assez réactif, et je trouve ça très agréable à jouer. Après, il faut bien savoir, donc, voir qu'il y a trois classes différentes, et qu'en fonction des classes, en fait, le gameplay est un petit peu différent, et aussi en fonction des armes. Donc pour l'instant je viens de commencer, donc on va voir. Je continue mon exploration, donc là faut que je sorte. Il y a encore mes copains, hop, je m'en pas vu. Alors, on peut surprendre les ennemis comme vous pouvez voir, c'est assez chouette ça. Ah merde, j'ai pas mon double saut. On est une, c'est sûr. C'est pas bon. Alors on peut courir et glisser, c'est tout bête, mais ça sert en fait quand les ennemis sont dans votre axe comme ça derrière moi, et s'ils tirent, hop, je glisse, et à ce moment-là, s'ils me tirent dessus, ça passe au-dessus en fait, tout simplement. Ça, je suis pas du tout obligé de les tuer, hein, mais ça me fait l'expérience en plus, ça me permet d'être plus fort pour plus tard. Donc si je peux en tuer, on va le faire. Alors où est-ce que je dois aller maintenant? Là-bas, c'est par là que je dois aller. On va continuer. Où est-ce que c'est? Ça doit être là-bas, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est là dans mon souvenir. C'est bien ça. Bon, alors ça, c'est des choses qu'on faisait déjà sur l'alpha, mais c'était pas scénarisé. Hein. Comme je vous le disais, il y a des petits coffres. Il faut savoir les repérer pour pouvoir récupérer différents objets. Là, j'en récupère un nouveau. Donc, je vais voir dans les options. Tac. Avec le bouton option, j'arrive là-dedans, j'ai récupéré un bras, on peut voir que là j'ai 13, et là bah voilà, il a 18, donc je l'équipe. On peut voir que ça devrait normalement changer l'aspect. Voilà, de mon personnage, il a le bras jaune maintenant. Voilà, hop. Il y a beaucoup de questions qui passent, je ne cache pas que c'est un peu compliqué de répondre à tous. Jouer en même temps, donc je vais avancer dans le jeu. Il y a des gens qui ont accès aussi à la bêta qui pourront éventuellement vous répondre. Après, je ferai une petite pause, je ferai une petite session questions-réponses. Et je vais avancer dans le jeu pour que vous puissiez en voir un maximum. Voilà, ouais, toujours cette bonne vieille technique, hein, c'est ce que je vous disais. Quand ça va pas, on se planque et on attend que le bouclier remonte. Et ça marche plutôt pas mal. Et ça, c'est hérité d'Halo, évidemment. Là, on a une espèce de petit boss. C'est pas très dur. Vous pouvez voir, quand je tire à la tête, forcément, c'est des dégâts critiques tout de suite. Alors ça, par exemple, ce boss-là, on l'avait pas dans l'alpha. Hein. Ça, c'est du plus. Vous pouvez voir que je peux viser grossièrement à la tête, je le touche à la tête. Hein. C'est ce que je disais dans la visée un peu tolérante. Hein. Je vais essayer de fuir d'abord, et puis après on va s'occuper du Amergen en fait. On va essayer de les attirer un petit peu en arrière, voir s'ils me suivent. Je crois qu'ils sont cantonnés à une zone, il me semble. Mais j'en suis pas sûr. Munition infinie ou ça dépend des armes? Kreliang, c'est pas munition infinie du tout en fait. Faut les ramasser sur les ennemis. À chaque fois que tu tues un ennemi, il pose des munitions, enfin il fait tomber des munitions, c'est à toi d'aller les ramasser. Faut pas dire qu'en fonction des situations, ça peut être complexe. Il n'y a pas de munitions infinies, tout est marqué en bas à gauche si on regarde bien. Là par exemple, il me reste que 139 cartouches avec cette arme là. Alors, chose qu'on a remarqué aussi qui est un petit peu différente par rapport à l'alpha, c'est le niveau de difficulté. C'était beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile sur cette bêta que lors de l'alpha. Après, on n'a pas tout vu, hein, mais en tout cas, au début, c'est significatif. Je vois tout de suite. Voilà, donc là je vais achever.
boss, on a recruté. Vous t'as tué là, c'est pas fini. Évidemment j'aurais pu le faire avec un groupe, hein. J'aurais pu le faire de 1 à 3 joueurs. À ce moment-là, le niveau de difficulté aurait été différent. Voilà, donc je peux ramasser des choses au sol, donc faut pas hésiter à se balader. Vous avez tué un archonte. Nous avons entravé les déchus et récupéré une boîte de distorsion. Nous pouvons aller nous battre sur la lune. Il faut que je vous présente au guide. Donc voilà, donc là c'est une nouvelle étape scénaristique, la mission vient de se finir, alors je peux continuer à me balader tout ça, mais en fait, lorsque vous êtes dans les missions scénarisées, semble-t-il, une fois que vous avez terminé, vous avez tué le boss de fin, il vous téléporte automatiquement au vaisseau. Je vais en profiter pour prendre quelques questions. Alors, en gros, si t'as pris... Ouais, patience. Vaut-il ces 70€? C'est une bonne question, il y a Léo 778711 qui dit est-ce que ça vaut ces 70€? Très honnêtement, j'en sais rien encore parce que je suis sur la bêta, je peux pas te répondre. On dirait qu'il y a un petit gap graphique par rapport à l'alpha, nous dit qu'est-ce qu'on spoil. Moi je trouve ça un petit peu plus fin effectivement, mais c'était déjà très beau sur la sur l'alpha. Donc ça m'a pas l'air non plus hyper différent. En tout cas, ça reste un beau jeu, c'est sûr. Il y a peut-être un petit peu moins d'aliasing, je trouve. Personnalisation des armes. Alors c'est une bonne question. Il y a Mystic X qui nous demande s'il y a une personnalisation des armes. En fait, il semble qu'à chaque fois que tu utilises un objet, plus tu l'utilises, plus tu apprends des trucs avec. Donc est-ce que c'est une forme de personnalisation? J'en sais rien, mais en tout cas, tu as de moyen de récupérer des trucs en plus avec cette arme. Genre tu vas recharger plus vite avec, etc. Des choses comme ça. Je me tais pour vous laisser la petite séquence. Il fut une époque où nous étions bien plus puissants. C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardienne. Ah ouais, les gens ont des nombreuses questions pour toi, guide. Lis le chat. Le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps. De l'agonie du voyageur. Vous parlez du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Ah bah voilà, il y a Sombra Verdad qui apparemment a coté une ligne et a marqué les joueurs PS4 pourront également apprécier l'histoire en mode hors ligne. Donc a priori ça doit être tout à fait faisable, semble-t-il. Moi je pensais qu'il faut en tout cas sur l'alpha et sur la bêta, faut se connecter au serveur, c'est sûr, sinon t'as accès à rien du tout. Donc voilà, sur le jeu final ce sera peut-être différent. Les déchus n'en sont qu'à premier aperçu. Que puis-je faire? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Salut Psychouz. Le PSN est en maintenance. Ouais, bah ouais, fallait se connecter avant, j'imagine. Salut Daguise 720. Bienvenue. Bienvenue à tous. Salut Cornic 57. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est pas évident de jouer, répondre, etc. Donc ne vous vexez pas si par hasard je ne vous réponds pas. N'hésitez pas à reposer vos questions sans spammer comme des malades non plus. Et je répète, pour les gens qui n'arrivent pas à se connecter, si vous avez un code, logiquement, il suffit de suivre les instructions, c'est très clair. La personnalisation du personnage au niveau des armures est-elle bonne? J'entends par là le choix d'armure. Alors c'est Drix111 qui pose la question. Alors en fait, pour l'instant, je t'avouerai que entre l'alpha et ce que je viens de jouer là sur la bêta, je me contente de prendre les armures les meilleures. Alors après, si tu parles au niveau de l'aspect, apparemment, on ne peut pas en changer l'aspect, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et après, donc voilà, au niveau de la personnalisation, bah, ça dépend des stats que tu veux développer et de la puissance des armures. Pour l'instant, jusqu'ici, sur l'alpha, on était bloqué au niveau 8, donc autant dire qu'on n'allait pas très loin pour ce Rimka DZ95, oui, c'est ça. Alors, Mimic, tu as préco le bundle avec la PS4 blanche? Non, qu'est-ce qu'on se poil? Je n'ai pas préco. Alors, je retourne sur la Terre.
Et ici, il y a une mission, donc on peut voir, c'est une mission histoire de niveau 3. Pareil, une escouade de 1 à 3 joueurs en coopération. Et j'ai un bonus d'expérience. Donc on va continuer dans l'histoire pour l'instant. Vous pouvez voir que je peux toujours choisir le mode de difficulté. Ah mais non, j'ai déjà fait ça. Est-ce que je dis une bêtise? Bougez pas, genre. Ça c'est le PVP. Je vais aller là en fait et je vais aller m'équiper. 2 secondes. Tac tac tac. Ah désolé, j'ai oublié de dire salut à Mimic. Il n'y a pas de problème, Killer B 301. Salut à toi. Si on préco sur PSN, on est obligé de payer le jeu complet, j'en sais rien, NAS 927. Je ne sais pas du tout. Hi, DG Fire. It's a French live, so I have to speak in French, but I can answer any question in English if you want. But I have to switch back in French. Just give me your questions, and if I have some time, I will answer it. Il y a du TDM en multi. Qu'est-ce que tu veux dire, DLD 54? Oui, c'était le niveau de l'aspect en fait, comme tous les MMO en fait. Ok, Drick 11, donc tu parlais de l'aspect des armures. Non, a priori pour l'instant, on peut pas les modifier ou je n'ai rien vu de tel. Mais je sais qu'il y a un système de crafting qui est assez développé. Donc peut-être est-ce qu'on pourra le faire, mais en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas vu. Alors là, on est avec des espèces d'archéologues en fait, donc on va récupérer des objets qui parfois sont encryptés, comme ils le disent. Et donc il faut les désencrypter, il faut passer par ce personnage, voilà. Sinon je ne peux pas utiliser l'objet avant, donc voilà. Lui-même a d'ailleurs des objets encryptés qu'on peut acheter, semble-t-il. Et donc voilà, là je peux retourner dans le menu et voir donc l'objet que j'ai désencrypté, qui était donc celui-là. Défense 15, avant j'avais défense 12, et là j'ai un défense 18, mais il faut être niveau 4 pour pouvoir le porter. Je suis niveau 3, donc je peux pas, donc je vais me contenter de celui-là pour l'instant. Voilà. Hop. Alors ensuite, là c'est pour retourner en orbite. Alors je vais faire un petit peu de classement, si vous permettez 2 secondes, je vais vous montrer un truc. Là j'ai un nouveau pouvoir aussi, parce que je suis passé niveau 3. Donc voilà, là je peux utiliser enfin mon double saut. Donc voilà, maintenant je pourrais l'utiliser en appuyant 2 fois sur X. Donc, je peux choisir 2 armes différentes, donc ça c'est bon. Donc on peut démanteler les armes, comme ça, et récupérer apparemment des lumens, de l'argent. On peut voir plus 7 à droite là, ce qui me donne mon nombre de lumens, et ça me permet d'acheter des choses après, semble-t-il. Si j'ai bien tout compris. Du coup ça j'en ai pas besoin non plus. Hop, on va les casser. Celle-là m'intéresse plus non plus. Cette paire de bottes, ça je vais garder pour plus tard. Bon, et ben voilà, je suis toute prête, on est reparti. Je pourrais aller acheter des équipements, je me tâte en fait. Je vais aller voir s'il n'y a pas mieux en équipement. Salut Jean-Luc! C'est quoi le niveau max de... me demande Okidoki 18. Je suis désolé Okidoki 18, je peux pas te répondre pour l'instant. Sur l'alpha c'était niveau 8, je pense que là c'est beaucoup plus haut à mon avis. Le contenu est censé être beaucoup plus gros que ce qu'on avait sur l'alpha. Tac, donc là je retourne voir mon maître comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le maître arcaniste. Je peux voir les différents objets, donc là c'est pareil, niveau 4, niveau 4, niveau 6, niveau 6, donc je peux en acheter, ok. Donc ça sert à rien de rester là, je repars, enquête, tac. Donc là j'utilise mon spectre, en appuyant sur le pavé tactile de la PS4. Et j'appuie sur triangle pour retourner au vaisseau directement. Salut, j'ai mon premier prix. Alors Bogos43 me dit que ça rame. Alors pour télécharger cette bêta, effectivement moi j'ai pu la télécharger bien avant vous. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de problème, ça a été assez rapide pour moi, j'ai dû mettre un peu moins de 30 minutes pour la télécharger. Ça a été très rapide, mais là je pense que tout le monde doit essayer de la télécharger, donc forcément ça va être plus compliqué. Alors Mimic, tes impressions, ça donne quoi? Très honnêtement, Mist Adams, puisque tu poses la question, je le sens très très bien, ce c'est Destiny. Il y a plein d'inspirations, hein, Halo, Mass Effect, évidemment, c'est un mélange de FPS et de MMO. Donc non, honnêtement, je le sens très très bien pour l'instant. Déjà, l'ambiance est mortelle, je trouve la direction artistique excellente. Je vois maintenant qu'il y a un petit peu de scénario, chose qu'on n'avait pas sur l'alpha, j'apprécie beaucoup. En termes de combat, il y a l'air d'y avoir différents challenges, différents niveaux de difficulté. Je sais qu'il y a des boss très particuliers à affronter au fur et à mesure, avec des stratégies à établir. Ça, je l'ai constaté déjà sur l'alpha, là je te parle de ce que je laissais sur l'alpha. Donc non, moi je le sens très 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 bien, Destiny, très honnêtement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, hop, j'ai là-bas, tac. Ce qui est cool, voilà, c'est que vous n'êtes même pas obligé de suivre l'histoire si vous n'avez pas envie. Vous appuyez sur le pavé tactile de la PS4, le spectre vous indique où est-ce qu'il faut aller globalement. Et vous y allez. Après, évidemment, vous pouvez bien écouter tout ce qu'on vous dit, etc. Mais moi, ça, je l'ai déjà fait. Donc, je le zappe. Donc là, on peut voir que j'ai mon double saut. C'est plutôt cool, voilà.
Là, je suis encore dans une partie ouverte, hein, c'est-à-dire que les autres joueurs sont avec moi. Les armes sont diversifiées. Oui, j'en ai vu pas mal, Evil 22. J'en ai vu pas mal. Des milliers d'humains qui embarquaient dans les vaisseaux coloniaux pour s'envoler vers des villes extraterrestres. Alors, salut Joe Epil, tu demandes s'il y a des combats spatiaux. Je n'en ai pas vu. Et je ne crois pas, en fait. Salut Jawed89. Ça va bien, Jean-Luc, je te remercie. J'essaie de répondre à tout le monde et de jouer en même temps, c'est pas évident, je te le cache pas. Bâtiment avec le radar. J'espère que la durée de vie du jeu ne sera pas prolongée à coup de DLC. C'est une bonne question, Vicos PSN, mais... Enfin, c'est une bonne question. C'est une bonne affirmation, effectivement. Une inquiétude, j'ai envie de dire, plutôt. Mais bon, a priori, c'est quand même un jeu en monde ouvert, donc il y aura déjà énormément de contenu à la base. Bonjour à tous, excuse-moi Mimic. Serais-tu dispo après ton stream pour... Oh là, on verra Nonamo, on verra. Je peux pas te répondre tout de suite, je vais m'occuper de ça déjà. Et après on en parle si tu veux. Elle finit quand la bêta? Elle doit finir le 29 juillet je crois, ou le 28 juillet il me semble, Fox. Le gameplay... Est-ce que c'est comme du Call of Duty? Non, c'est plus comme du Halo. Il y a des combats avec les véhicules façon Halo. Mist Adams me pose la question. Alors oui, j'en ai vu en PVP des combats de véhicules, des combats avec des véhicules, j'en ai vu, voilà. Mais en PVP c'est particulier. Pourquoi est-ce qu'il me renvoie là-bas? Il y a là-bas, faut qu'on tourne là-bas. Okay. Il s'est téléporté, mais c'est pas lui. J'y vais un peu à la bourre, hein, je vous le cache pas, mais c'est pour avancer. Merde. On va voir que cette espèce de mini-boss se téléporte sur les côtés, il peut pas le faire tout le temps semble-t-il. Et vous pouvez voir que je fais souvent des dégâts critiques sur sa tête, c'est assez facile en fait de toucher la tête. Quand je disais que la vidéo était assez tolérante. Voilà, je récupère des munitions dessus et c'est parti. Oui, NAS927, quand je parle de PVP, c'est du joueur contre joueur en fait. Donc il y a des... C'est comme dans tous les FPS en fait, il y a des sections joueur contre joueur. Du joueur contre joueur, oui. J'ai pu un peu jouer à la bêta ce matin et c'était plutôt simple. En alpha, il y avait plus de difficultés. Donc oui, je confirme qu'en alpha, j'ai pas vu qu'il avait posé la question. C'est jambon premier prix. Oui, effectivement, c'était beaucoup plus difficile sur l'alpha. Et là, j'avoue que moi aussi, le peu de ce que j'ai fait sur la bêta a l'air relativement simple. On est d'accord. On a la possibilité de tirer sur ses coéquipiers. On peut leur tirer dessus, mais ça leur fait pas de dommage, je crois. Le PVP s'appelle le creuset si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Alors là, il faut que j'utilise mon spectre. Donc, quand je vous disais que le spectre a une utilité, effectivement, c'est lui qui interagit un peu pour vous avec l'environnement. Pas de soucis, je te laisse mon Skype pour que tu puisses voir ça. Ok, Nonamo. Écoute, reste un peu après le chat si tu veux et on discutera. Mais là, je peux pas noter ce que tu me dis parce que je suis en train d'animer un live, donc je peux pas. Faut spammer combien de temps? C'est quoi la question qui leur vit? Ça donne comment sur PS3? Je suis désolé, Joepil, j'ai pas vu le jeu sur PS3, je peux pas te répondre. J'ai un mauvais pressentiment. Alors là, je vous donne un exemple. Salut Dark Robot. Je vous donne un exemple ici. Les premières fois qu'on est arrivé ici en alpha, c'était difficile. Vraiment difficile. Là, je vous cache pas que c'est super simple. Je n'aurais pas buté bêtement, mais. C'est vachement moins dur que ce qu'il y avait sur l'alpha ici, et particulièrement la scène d'après. On peut voir qu'on est dans une ambiance un petit peu alien, on a pris des ennemis différents, cette fois c'est pas... C'était pas merde, j'ai oublié le nom des premiers ennemis qu'on a vu. Ces ennemis-là s'appellent la ruche, c'est une espèce d'insectes qui viennent de la lune. Enfin, des insectes humanoïdes qui viennent de la lune. C'est une ambiance complètement différente, beaucoup plus sombre. La ruche n'est pas venue sur Terre depuis des siècles. Il doit y avoir une prêtresse dans les enfants. Il y a un message d'erreur pour toi, bah relou de la page, Killer Bee. Je sais pas ce qui se passe. Ami Killer Bee. Bon, on peut voir que je vise la tête et ça fait vraiment très très mal. Je peux vous dire que sur l'alpha il y a un mois c'était pas aussi facile que ça. Alors on peut voir que là, donc tout ce qui est gros comme ça là, ça veut dire que c'est un loot en fait. Donc il faut aller le récupérer et là j'ai récupéré une arme. Je ne peux pas utiliser tout de suite puisqu'il faut que j'aille utiliser l'archéologue que je vous ai montré tout à l'heure.
Évidemment, quand elle tombe sur le sol, faut pas les louper, hein, sinon après c'est perdu. On va revenir sur la zone. C'est un risque encore. Donc là ce que je dois tuer c'est la sorcière qui est juste là. Alors là c'est intéressant, vous pouvez voir, donc il y a des ennemis encore autour, mais je vais essayer de me concentrer sur la sorcière qui est là-haut. Si j'arrive à la tuer, la séquence va s'arrêter direct et tous les ennemis vont disparaître. Casser quelqu'un sur l'alpha, donc vraiment c'est faire peur aussi. Et là je peux vous dire que la première fois qu'on a vu elle sur l'alpha, et là on a eu aucun. Enfin on a eu de grosses difficultés pour la tuer, là vous pouvez voir je viens de la tuer direct. Donc, voilà. N'est pas venu sur Terre depuis des siècles. Alors de deux choses l'une, où les la ruche, donc c'est cette race insectoïde, ils sont tous reliés entre eux, et lorsque vous tuez le boss, tous les ennemis, enfin tous les, comment on appelle ça, les minions à côté meurent, ou alors, ce sera tout le temps comme ça dans Destiny, je sais pas, je pense que c'est en rapport avec la race, mais bon, j'en suis pas encore sûr. L'arc de compétences est-il assez fourni, nous demande Medievor. Oui, là vous pouvez voir que la mission est finie, donc il y a un décompte. Je vais te montrer après l'arc de compétences Medievor. Quelle classe joues-tu? Je joue arcaniste là, Kev91322. Donc là on peut voir mes stats et les récompenses que j'ai récupérées en rapport avec la mission. On peut voir aussi voilà, tous mes frags, les frags précis, les frags de capacité, donc c'est le corps à corps, voilà, les frags à la grenade, et les sauvetages, donc c'est l'aide de mes partenaires parce qu'on peut se ressusciter entre nous lorsqu'on est en groupe. Voilà. Mimic, je ne peux pas lancer ma bêta, message d'erreur, précommande PS. Je sais pas, Killer Bee, je suis désolé, j'aimerais bien pouvoir te répondre, je sais pas du tout. Je sais pas, va sur le site de Bungie, va sur les forums et regarde un petit peu ce qu'il en est. Normalement, c'est bien expliqué, hein. Ça a été assez clair pour moi. Donc, je suis désolé, je peux pas t'aider maintenant, l'ami, parce que là, je suis en train de bosser. Je monte le jeu. Alors, donc là, on peut voir qu'il y a encore une grosse icône qui m'indique où est-ce que je dois aller. Je dois aller à la tour pour réclamer mes compétences, mes récompenses de quête, ce que je vais faire. Alors Nas927 demande comment ça se passe pour jouer avec les amis. C'est une bonne question, je n'ai pas encore essayé d'inviter ma liste d'amis. Mais je vais essayer. Salut Flou60. Cette mission est plus simple que sur l'alpha, mais très clairement, l'ami. Moi, j'ai fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur mon channel YouTube. Et effectivement, j'ai fait tous les boss en légendaire, parce qu'il y avait la difficulté des légendaires sur l'alpha. C'était beaucoup plus dur que ça. Là, c'est ultra simple à côté. Il n'y a pas de problème, Killer Bee, tu m'embêtes pas, mais c'est juste que là, je ne vais pas regarder, je vais pas pouvoir t'aider, parce que là, je suis en train d'expliquer aux gens et répondre aux questions. Japan749 qui nous dit qu'il faut rentrer où le code. Bah, normalement, quand tu as reçu le code, quelqu'un t'a expliqué où est-ce qu'il fallait le mettre. Je suis désolé, je peux pas vous aider pour vous connecter au jeu, quoi. Il faut que vous lisiez bien les instructions sur le site officiel ou dans le mail que vous avez reçu ou de la personne qui vous a donné le code. Logiquement, c'est assez bien expliqué. Qu'est-ce que je suis en train de manger? Je suis en train de manger des gâteaux. Donc voilà, je retourne voir l'espèce d'archéologue là qui va donc désencrypter l'arme en question. J'ai récupéré donc une nouvelle arme que je vais pouvoir maintenant utiliser. Hop là. On y va, je retourne dans les menus. Alors, quelle arme était-ce? C'est une arme verte normalement, celui-là. Je peux pas l'utiliser. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Il y a un truc bizarre. Adressez-vous à l'avant-garde pour obtenir une récompense. Il faut que j'aille là-bas. C'était peut-être pas une arme, j'ai pas fait gaffe. Désolé, Krilang, si je te fais envie avec mes biscuits. Merci pour cela. Y a-t-il des passages infiltration ou furtifs? De rien, Loïc D, je suis là pour ça. Des passages en infiltration, j'en ai pas vu. J'ai vu par contre qu'on pouvait surprendre nos ennemis. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs récompenses en fonction de la quête que j'ai faite. Je peux en choisir qu'une seule, donc je peux comparer directement avec celle que je porte en appuyant sur la touche R1. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un super casque, avec le fond d'image est vert, ce qui veut dire que c'est un loot, une récompense de qualité verte et non pas blanche comme celle que je suis en train de porter, elle est indiquée à droite. Donc elle a 30 de défense, donc c'est plus fort que ce que j'ai avant. Et puis il y a 9 en force en plus. Voilà, là pareil pour les gants avec de la discipline, et là pareil avec le torse, et je pense que le plus gros écart. Moi j'ai pris un arcanisme aussi. Moi j'aime beaucoup jouer titan, c'est proche des tanks. Mais... On va changer la tête juste pour que vous puissiez voir un aspect différent de la chose, quoi. Et là je peux acheter des trucs aussi, mais il faut être niveau 4, je sais pas encore.
Oui, c'est très fluide pour la personne qui demande Marcoco 21. Oui, c'est fluide. Alors, je vais donc équiper une nouvelle tête, comme vous pouvez le voir ici. Moi, j'en avais gagné une pendant le combat tout à l'heure. Vous pouvez voir, ça change l'aspect de mon personnage. En tout cas, ça devrait. Voilà. Je vais remettre l'autre pour que vous puissiez voir. Voilà. Des aspects différents en fonction de ce que l'on porte. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Là, c'est pas terrible. Là, ça bouge pas. Là, j'ai une verte. Il faut que j'attende d'être toujours niveau 4. Et là c'est pareil, niveau 4 aussi, donc pour l'instant je peux pas faire grand chose, tout ça c'est fait, donc faut que je retourne en orbite faire des missions. C'est un plaisir. Tac. Tac. Allez, je repars au vaisseau. Et on est reparti. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'histoire? Tu l'actives en CAE et il passe en 3 accès. Sur l'histoire de... Ah oui, on a parlé de choses différentes. L'inventaire s'use pas à la Diablo. On n'est pas à trimballer plusieurs sets. On trimballe en fait apparemment, j'ai presque compris, ce qui t'appartient, tu le trimballes sur toi en fait. Semble-t-il. Alors voilà. Donc là, je pourrais refaire des missions que j'ai déjà faites, hein, comme vous pouvez le voir ici, ici, ici. Ça, c'est une mission que j'ai pas encore faite, mais que je pourrais essayer, qui est hors scénario, en fait. Ça, par contre, c'était scénario. Ça, c'était scénario. C'est marqué dessus histoire. Et là, à chaque fois, il m'indique où est-ce que je dois aller pour poursuivre l'histoire. Donc on va continuer ici. C'est parti. Si, Calonello 34, j'ai effectivement un début de calvitie très prononcé, même. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Pendant que ça charge, je vais me chercher un petit coca, je reviens tout de suite. L'avant-garde signale que les déchus démontent des machines dans tout le cosmodrome. Je commence à croire qu'ils ont un but précis. Quoi qu'ils cherchent, mieux vaut le trouver avant eux. Je détecte de nombreux déchus près de la côte oubliée. Mais c'est à des kilomètres d'ici. Attendez, il y a un accès au réseau de véhicules ici. Connectons-nous pour réparer. Alors, j'ai vu une question passer, quelqu'un qui disait du temps de chargement en monde ouvert. Effectivement, oui, parce que tu passes d'endroit particulier à un endroit particulier. Mais après, ici, par exemple, là, précisément, on est en monde ouvert. Et là, tu n'as pas de temps de chargement pour accéder à tes missions. Là, tu peux croiser des joueurs ici, et tu peux accéder à tes missions, et c'est très grand déjà ici. Alors, hop, tac, tac, et là où est-ce qu'il faut que je me rende? Il m'a indiqué où est-ce que je devais aller. Vous pouvez voir qu'au-dessus de la tête des ennemis et sur la barre de gauche, enfin, au-dessus de la tête des ennemis, pardon, il y a une barre qui indique leur santé et qui indique aussi leur niveau sur la gauche. Qui vous permet de voir un petit peu quelle est la différence entre eux et vous. D'endroit. Quelqu'un me demandait, je suis désolé, j'ai pas le temps de citer tous vos noms. Quelqu'un me demandait quelle classe je conseillais pour débuter. Moi, très honnêtement, le titan m'a beaucoup plu. L'arcaniste, ça a l'air un peu plus subtil et le chasseur aussi. Donc, moi, je dirais titan pour débuter. En tout cas, moi, sur ma première partie, c'était un titan et j'en suis très satisfait. Là, j'ai pris un arcaniste pour monter autre chose. Mais voilà. J'ai une autre question à passer. Tac, tac, tac. Oh là là. Il y a une technique pour avoir là. Très bon live, très sympa, il me donne envie. Et bah écoute, je t'en remercie Tite Willounette de participer à ce live. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions, je fais un maximum pour y répondre. Et comme vous pouvez le voir, vous proposez quelque chose de sympa à l'image. Essayez de jouer correctement et en même temps vous répondre. C'est pas forcément évident, mais je fais le maximum. Le jeu est plus axé sur le solo ou le multi? Alors DLD54 nous pose cette question. Je pense que vraiment on peut dire que c'est les deux en fait. C'est vraiment les deux mélangés. Et Destiny, je crois que l'ambition de Destiny, c'est ça, c'est de mélanger les deux intelligemment, j'ai envie de te dire. Mais j'ai l'impression aussi que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, tu peux le jouer tout seul dans ton coin. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même certaines missions où t'étais obligé de jouer à plusieurs, mais j'en suis pas encore sûr. Jusqu'à quel level la bêta? C'est une bonne question, MC Dams, l'alpha elle s'arrêtait au niveau 8. Là, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, peut-être au niveau 20, je l'espère. Bien, si vous prenez votre passereau, nous serons à la côte oubliée en un rien de temps. Cool ton live, de rien Jawed89. Bah écoute, si t'es sur gameblog.fr, c'est le live de Gameblog, et bah n'hésite pas à t'abonner au channel, hein, Twitch, c'est juste en bas, tu cliques sur suivre, et évidemment on va refaire des lives de cette qualité, puisque tu dis que le live te plaît.
Donc t'inquiète pas qu'on va en refaire, n'hésite pas à t'abonner. Gameblog.fr, c'est l'adresse exacte, c'est twitch.tv/gameblog.fr. N'hésitez pas à vous abonner. I love France. I love France too, Seven Life. I love it. Alors, bon, je suis pas très concentré. Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Hop, voilà, on continue. Est-ce que c'est complètement transparent le fait de passer d'une partie solo à une partie à un événement public? Alors c'est une bonne question encore, Mr. Adam. Je peux pas te répondre à 100%. Moi, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est que je suis rentré dans des zones de mission. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément, que j'avais pas invité, qui étaient avec moi. D'autres fois, non. Donc, c'est pas encore très clair. Autant dire que ça a l'air tellement transparent que je peux pas encore te répondre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que si tu crées une escouade, tout seul avant la mission et que tu pars en mission avec ton escouade, t'es seul avec ton escouade. Si t'atterris directement dans la mission, j'entends bien. Donc voilà, ça j'en suis sûr pour l'instant. Non, je me suis gouré d'endroit, bravo. Les maps sont-elles toutes vides? Non, je trouve pas ça vide là, hein, de ce que tu vois là. Je trouve pas ça vide. Alors j'ai peut-être accès direct. Ah bah oui, j'ai pas fait gaffe de vous parler, j'ai pas vu que j'avais récupéré mon speeder. Voilà, je vous présente le speeder. Super sympa pour se déplacer. Et là on passe d'ailleurs en vue à la troisième personne. C'est hyper maniable, ça se manie avec les deux sticks. C'est super classe, on peut hop sauter comme ça, boum, passer en revue FPS, remettre à shooter, regrimper dedans, hop, et repartir, c'est hyper souple. Alors quand vous touchez pas, vous n'heurtez rien, c'est super classe, quand vous heurtez des trucs, vous avez l'air bien. Les déchus utilisent des amplificateurs de signaux. Voyons voir ce qu'ils voilà. transmettent. Et donc c'est le moyen de déplacement sur les planètes de Destiny. Et c'est super cool. Alors là ça devient un petit peu plus corsé. Et cette partie-là, par exemple, alors cette partie, on pouvait y jouer dans l'alpha, mais par contre, on n'y avait pas, elle n'était pas scénarisée. On pouvait y aller, on pouvait tuer les mecs et tout, mais on ne savait pas pour quoi ça servait. Donc là, maintenant, on sait ce que c'est, puisque je dois aller, on est en pleine Russie, et je dois accéder au relais qu'il y a derrière, là, vous pouvez voir. Et c'est un petit peu plus difficile, d'ailleurs, ici, par contre, c'est un tout petit peu plus difficile. Oh là, putain, je suis pas. On peut mourir, les mecs, là. C'est pour autre, on pose problème. Le petit sera pas un souci. C'est de les contourner si on peut. Ah, ça n'a pas marché, dommage. Voilà, j'utilise mon double saut, je vais essayer de les prendre à les flanquer par derrière, mais c'est là où j'ai fait, dommage. Voilà, c'est chaud. Marshall Banana qui nous demande si ce sera le GOTY 2014. Écoute, j'en sais rien du tout, Marshall. C'est la bêta, l'ami. Tu me demandes de te dire que c'est super bien alors que le jeu n'est pas sorti. Je peux pas répondre à cette question. Ça a l'air très bien en tout cas, voilà. C'est le gros qui me gêne là. Faut que je me fasse tous les petits à côté d'abord. C'est plus sûr pour moi. Il avait un peu bourrin là, ça marche. Ressemblance avec Borderlands 2. Alors effectivement, Imurono, ça fleure bon le Borderlands 2, je suis d'accord. La manière dont les choses sont présentées dans la taille, etc. Oui, ça fleure bon le Borderlands 2. Ce qui est d'ailleurs plutôt bon. Hein, regarde, c'est... Oula. Alors, c'est l'espèce de pseudo bloc, c'est là s'il me retouche. Je meurs, et d'ailleurs voilà, je meurs. On apprendra à essayer de répondre à vos questions en même temps. Quelle est la durée de la bêta? Je crois que ça dure une semaine, cher ami. Ça s'arrête le 28 ou le 29, je crois. Donc, quelque chose comme ça, ça dépend de ta plateforme. Donc là je suis mort, vous pouvez voir, j'ai pu revenir ici. Parce que là je suis dans une mission solo, mais c'est pas un endroit fermé. Je crois qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent accéder à cette zone aussi, donc ils pourraient éventuellement venir m'aider. Donc, je me suis fait tuer un peu n'importe comment. Donc je reste... Ah bah ça tombe bien. Ah non, il y a encore là le boss. En fait là ça a l'air d'être une zone où en fait tous les joueurs viennent faire cette mission là en même temps quoi. Donc du coup là je suis pas avec eux, voilà, et donc on a dératisé l'endroit ensemble, voilà. Là on est vraiment dans le monde ouvert. Je me demande même si les joueurs ne m'entendent pas d'ailleurs, ils sont autour de moi d'ailleurs. C'est un signal brouillé. Il ne provient pas des déchus. Donc vous êtes préco pour jouer à la bêta, nous dit Pat, je crois bien que oui. Ah, il y a le joueur qui est là, je vais danser avec lui alors, voilà. Je suis avec Connor Universe que vous pouvez voir, juste là. À quand les dates chez Xbox? Je crois que c'est bientôt les dates chez Xbox, ça, c'est dans 2 ou 3 jours je crois, quelque chose comme ça.
Allez, on va chercher l'autre relais. Vous pouvez voir comment c'est cool de passer sur son speeder super vite comme ça là. On voir aussi à quel point c'est maniable, j'essaie de pas me planter, pas avoir l'air ridicule. Voilà, je peux se tromper par contre, c'est pas par là. Comme je vous le disais, c'est assez souple et assez maniable, mais c'est pas des dingues. Alors si je monte dessus, je crois qu'il va se passer un truc. Voilà, il y a du monde, je m'en souviens. Ils sont où les moules? Ah, il y a des trucs derrière, il y a des trucs derrière. Ah, je suis malvenu là, hop, je vais repartir me planquer. Voilà. Alors, pour voir qu'il y a un loot, je vous le disais, c'est un loot vert, regardez. Je l'ai récupéré. Alors, je crois que là, d'autres joueurs peuvent le récupérer aussi. Je crois que c'est le premier arrivé, premier servi, me semble. On me demandait s'il y a un petit côté infiltration. C'est possible de surprendre les ennemis et aussi de les flanquer. Et ça, c'est quand même vachement agréable parce que du coup, tu peux jouer un petit peu de stratégie face à eux. C'est pas mal ça. Oh mince, il m'a bien eu, il s'est téléporté, du coup la grenade n'a servi à rien. Heureusement il y a un autre joueur avec moi, ça va être tout cool. Donc là on peut voir il y a la barre blanche au-dessus de la barre rouge, c'est-à-dire qu'il a un bouclier, là son bouclier est cassé. On peut voir aussi qu'il y a de la gestion d'aggro, c'est-à-dire que le joueur là il a frappé plus fort que moi par exemple, il a automatiquement pris l'aggro de l'ennemi, comme dans un MMORPG, ce qui est marrant dans un FPS. Et là, on peut analyser l'antenne et laisser le spectre faire son boulot. Il y a d'autres planètes à explorer, nous demande à nous. Oui, il y a d'autres planètes à explorer et il y a la Lune aussi. Les deux sont reliés quelque part au relais cosmique. Allons voir ça. Le speeder, c'est Wipeout, on est d'accord, Bustar. C'est effectivement, ça fait effectivement très Wipeout. Alors voilà, hop. Donc là maintenant, il faut que j'aille au relais cosmique. Donc je vous montre le côté cool, moi j'aime beaucoup. C'est donc on sort le spec, boum, on appuie là-dessus, on fait venir tout de suite le. Le speeder est là, hop, on est parti avec, et je trouve ça super classe. Voilà. Oui, il y a une ressemblance avec Warframe, c'est pas faux ce que tu dis, j'ai une personne qui vient de dire ça, et il a raison, ça ressemble aussi un petit peu à Warframe. Alors, autre truc cool aussi avec le speeder, vous pouvez le voir ici. En fait, on peut l'utiliser dans certains intérieurs. C'est assez marrant de voir ce qu'on peut l'utiliser très doucement, c'est là pour vous montrer un petit peu la jouabilité du speeder, qui est plutôt pas mal, même plutôt agréable. Comme je le disais, j'ai pas ressenti une aide à la visée particulière, Rezek. Il y a surtout, je trouve, la visée très tolérante. C'est-à-dire que tu tires un petit peu à côté de la tête, tu touches la tête. Alors voilà, vous pouvez voir, là, je suis en intérieur avec mon speeder et je peux l'utiliser comme ça. C'est extrêmement souple. Je peux me balader avec tranquillou. Je pourrais même aller, je vais tenter le diable, je suis un peu fou. On va essayer de traverser la zone sans que les. Ah, mais non, là, je me suis fait tirer dessus, donc mon speeder va péter. Ça va pas marcher, je pensais que je pouvais peut-être traverser la zone, mais c'était un petit peu trop en demander. Hop. Bon, on va se lâcher sérieux. Donc là, on passe de l'un à l'autre l'exploration au tir de manière super fluide. Il y a un monde de fou là. Et il y a les fameux gars au corps à corps, absolument insupportables. Vous allez les découvrir ici. Quand ils sont proches de vous, ils font extrêmement mal. Donc généralement, il faut baisser leur vie, les laisser approcher et utiliser le coup au corps à corps. Ah, j'ai passé niveau 4 pour utiliser les nouveaux équipements. Voilà. C'est parti. Vous pouvez voir, ils sont quand même pas bien méchants. Ils deviennent dangereux en nombre, en grand nombre, mais sinon ça va. La force est puissante en toi. Je sais, Tite, la force est puissante en moi, c'est vrai. Alors, je vais donc changer les équipements puisque je dois pouvoir utiliser des nouveaux équipements là normalement. Voilà, je peux utiliser celui-là. Tac, ça y est. Ici, j'ai pas mieux que ce que je porte. Là, j'ai niveau 22, donc là, faut que j'aille décrypter ça, donc je peux pas utiliser. Ça, c'est niveau 4, donc je peux utiliser. Hop. Donc, j'augmente à la fois ma défense et ma force. Ici, il y a aussi une nouvelle arme qui doit être plus puissante que celle que j'utilise, donc je vais la changer. Voilà. Pour voir les styles d'armes, là, c'est un fusil automatique. Non, c'était un fusil à impulsion. Ma deuxième arme, c'est pareil. Là, pour l'instant, j'ai pas la troisième arme. Vous allez voir qu'il y en a une troisième. Et là, il y a mon personnage que je peux améliorer en fonction de ses pouvoirs. Donc, des gens m'ont demandé voilà ce que c'est que le template, donc les différents choix. Donc là, je suis un arcaniste.
Vous pouvez voir ici, en fait, il y a des colonnes. Et en fait, au fur et à mesure de mes actions, je débloque des pouvoirs. Vous pouvez voir ici, j'en ai débloqué deux. Celui-là, c'est la grenade. Celui-ci, c'est le double saut. Là, ça va être une explosion.